Recode, ça c'est sûr qu'on va pouvoir repo ça. On a Wesh, MIG, le 9-1 déterminé. Donc c'est sur la page de Bouscapé. MIG avait un track avec ISK que j'avais bien feel. On va en apprendre plus sur le rappeur. Come on, rest in peace, Gaza. Yo, come on, bro, Zach. MIG, Moula. Grand écran. Salut tout le monde, on espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Wesh présenté par Bouscapé en partenariat avec Apple Music, dans lequel on vous présente un artiste sur lequel il faudra miser dans les mois, voire dans les prochaines années. Aujourd'hui, vous l'avez vu, je n'ai pas de véhicule, mais je suis venu en courant. Petit footing, on est dans le 9-1, c'est le Wesh MIG. Let's go, c'est parti! Wesh les gars, wesh les gars, wesh! Wesh alors! Wesh! Les œufs, c'est les autres tamponneuses. Chez nous, le buteur est cramponné. Dans les embrouilles, j'ai trop donné. MIG, Moula, c'est sûr qu'ils connaissent. Même si je suis trop quillé, on y va. MIG, Moula, même si je suis trop quillé, on y va. Aujourd'hui, on est de retour dans le département mythique qui est le 91 pour vous présenter l'un des rappeurs du moment, MIG ou MIG, comme vous voulez. L'explication de son nom est assez simple, il a pris les trois premières lettres de son prénom et il en a fait son nom d'artiste. MIG est un artiste âgé de 18 ans et d'origine congolaise. Il est né dans le 78 mais il a passé toute sa vie ici dans le 91. Plus jeune, il découvre le rap français avec des artistes comme Mister You, Jul ou encore Joe Le Feno. Par la suite, il se branche sur le rap. Ce qui est fort avec MIG, c'est le fait que ça soit monotone. Mais il y a un flow qui vient avec comme. C'est nonchalant, man. C'est tellement frais, je vois. Je vois qu'il fait ça comme ça, bro. US et en particulier Tellement marié avec nonchalant. l'entrée légendaire Chief Keef. Aujourd'hui, il est très branché sur un artiste NAPS. Il n'écoute que ça. C'est un artiste signé sur deux labels indépendants, ADBZIQ Records et Royal Music. Il prépare un projet qui devrait voir le jour normalement avant l'été 2021. Pour l'instant, pas plus d'infos. Il nous a juste dit qu'il y aura de très très grosses surprises. Comme je vous l'ai dit, Sainte-Geneviève-des-Bois aujourd'hui. MIG, mon gars, cool ça ou quoi, dit quoi mon ref? Tranquille. Tranquille. On envoie un extrait. Vas-y, on envoie un extrait. Hein. Let's go. Je suis timide pour accoster des gadgets, je suis pas timide pour accoster un bono, je suis pas timide pour accoster un passant, lui demander l'heure et arracher son pénaf. On n'a pas peur de tenir le sac, mais la flemme de faire des allers-retours. Pas besoin d'appeler tous mes amis, si j'ai l'intention de te faire, y a pas de retard. MIG, ouais. Je voulais savoir, on va commencer à parler de ton parcours. Vas-y, dis-moi. À quel âge? J'ai pas check. J'ai pas check encore mes bails sur IG. En 2019. J'ai juste post qui t'a donné envie de te mettre le stream là, dans pas encore, j'ai pas encore check. Dis-toi que de base, j'en avais même pas envie. Hein. Ok. C'est mon manager, tu vois, il s'appelle Tuki. Ouais. Par hasard, je l'ai vu un jour, vas-y, il m'a dit ouais, faut que tu rappes, ça. Mais tu vois, j'avais déjà fait des petits trucs pour m'entraîner, t'as okay. vu, mais pas sérieux. Vas-y, il m'a dit faut que tu rappes vraiment, vraiment. Après, vas-y, je suis allé. J'ai fait un son, il a kiffé. Vas-y, il m'a boosté. Hein. Ok, et ça t'est venu direct? Tu maîtrisais tout de suite en studio ou t'as eu des petites lacunes au début? Même pas, tu vois, dès le premier son, j'étais à l'aise. Ok. Vu, moi, je suis à l'aise avec la parole. À quel moment, toi, t'as senti qu'il y a eu un déclic dans ton début de carrière? Les deux vrais déclics, c'est quand j'ai fait la série de freestyle pendant le confinement, j'ai eu 10 000 abonnés sur Insta et Barbara Keane. Ok, Barbara Keane, c'est... Ça, c'est le track que j'avais pas fait. L'instru sur Barbara Keane, je l'ai entendu yo, 10 fois, t'es sérieux, bro? Millions de vues sur YouTube. Ouais, c'est le premier. Comment est-ce que tu le vis? Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça t'a apporté? T'es content entre potos, vas-y, on a fait 1 million de vues. Ok. Mais vas-y, on s'est pas dit on est des stars, tout ça. Ouais. T'as vu, ça a rien changé. Le lendemain, je suis revenu au même endroit pour refaire les mêmes choses. Ça t'a juste donné envie de travailler plus ouais, et de faire vois, plus. Voilà, quoi. Ça fait du bien. Ok, carré. On s'envoie un deuxième extrait? Vas-y, on s'en va. Hein. C'est parti, envoie. Il y a ceux qui séchaient les cours pour la vendre. Ah ouais. Moi, j'allais en cours pour la vendre. Ah ouais. Tends pas la main, t'as la montre, on va la prendre. Faut qu'on la coupe, faut qu'on la vende. Jamais oublier les moments d'avant. Quand c'était tendu, qui était là? Le soir, elle finit au télo. C'est plus la même que tout à l'heure. Sur sa chaîne YouTube, MIG cumule 35 000 abonnés en seulement 5 vidéos postées. Les chiffres vont de 470 000 vues pour Comme Johnny à plus de 2,6 millions pour Barbara Keane, son plus gros titre à ce jour. 3 de ses 5 clips ont dépassé la barre du million de vues. En tout, sa chaîne YouTube compte plus de 7 millions de vues. Sur la chaîne YouTube de Demolition, MIG a également publié quelques clips dont Le Ménage, un titre qui a aussi dépassé la barre du million. Sur les réseaux sociaux, il a déjà une belle communauté avec plus de 55 000 abonnés. Chiche sur Instagram. Pas confiance à l'étranger, t'inquiète pas, je vais manger, mon équipe va manger, tu connais, je suis gentil. Yo, ce track là comme Johnny, attends, ça a l'air fort, j'y attends. Comme Johnny. Tu perds de sanger, je le fais sans gêne, tu parles en kilo ou tu parles en G, noir comme l'engin. Si je le dégaine, je passe sur ta mère, il faut pas que tu brigues.
MG, maintenant, on va parler un peu de ta musique. Tu fais beaucoup de drill. Qu'est-ce qui te plaît dans ce registre? J'aime bien le thème de la drill. Hein. Enfin, comment c'est ça, la violence. Toi, tu te reconnais dans ce registre-là? Ouais, j'aime bien. Mais à l'inverse, tu vois, toi, t'es un mec qui fait grave, qui fait des morceaux dans la violence, etc. Et à côté, t'écoutes beaucoup de Naps, beaucoup de Jules, tu vois, des ambiances sudistes, etc. Comment t'expliques cet opposé? Connais, moi, dans la vie de tous les jours, j'aime bien m'ambiancer. Ok. Au studio, c'est le travail. Plus c'est sale, plus ça plaît. Hein. Toi, t'aimes bien écouter ce genre de morceaux, mais est-ce que... Je dis, la drill est sur fauteuil roulant live. Ce genre de morceaux. Voilà. Son temps est compté, là. Non. Après, tu vois, plus tard, on verra peut-être. Hein. T'as pas essayé une fois ou deux au studio de pousser un peu la mélodie? Jamais? Non, quand je vais au studio, c'est pas pour essayer. abattre l'ennemi. Le micro, c'est un ennemi. T'as un projet qui doit voir le jour normalement avant l'été 2021. Qu'est-ce qu'on peut retrouver dessus? Est-ce que ça va être du MIG qu'on connaît ou est-ce qu'il va y avoir des tentatives de nouvelles sonorités, etc.? Il y a quelques tentatives, okay. Mais c'est toujours du sale. Toujours du sale. Tu vois, dis-toi que si tu vois MIG va sortir un truc, ça va être sale, ma gueule. Si c'est pas sale, il sort pas, ma gueule. Tu vois, pour l'instant, dans tes textes, tu te livres pas plus sur ton histoire personnelle. Tu vois, c'est plus de l'ego trip, du banger, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui te tient à cœur, toi, par la suite, ou pour l'instant, c'est que ça? Grandi à Zimix, c'est bof. Ah, c'est fait déjà. Oh, est-ce que t'es fou? Tu peux nous donner. Je connais pas tous ces tracks, mais jusqu'à présent, le track qu'il a fait avec ISK, bro. À travers lequel tu vas me connaître un peu plus. Tu vas te livrer un peu plus. Ouais. La famille nous a parlé de ses influences. À cette occasion, on a créé une playlist qui s'appelle le Wesh MIG qui est disponible exclusivement sur Apple Music. Il y aura des morceaux à lui, des Ricky. Morceaux qui l'ont influencé. Le lien est dans le follow, mon bro. En attendant, on s'envoie un quatrième extrait. Vas-y, hein. Let's go. C'est parti. On est ensemble. On le délaisse, on pousse à délai, bien sûr qu'on veut de l'or. Je les regarde et je suis MDR, ils pleurent en cellule mais font les méchants dehors. Trop tard dans la zone, y'a plus d'âge. On a grandi qui on veut, on mélange. La guitare sert à faire le ménage. Je répète, qui on veut, on mélange. Voilà la famille, vous savez tout ce qu'il y a à savoir sur MIG, n'hésitez pas à aller voir sur YouTube en streaming histoire de vous faire votre propre idée, bien sûr revenir nous dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Nous concernant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube histoire de ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos et à vous abonner à nos différents réseaux sociaux. MIG, est-ce que tu as un dernier mot à rajouter? MIG, hein, vous connaissez, suivez-moi sur Insta, MIG la cité, sur Snapchat, MIGmoula.02. Le projet il arrive, restez branchés les gars. Carré, t'es prêt pour l'exclu? Vas-y, je suis prêt, en bas. Parti. J'ai pété des escortes pour un sablé, mais concrètement, je sais pas pourquoi Tix essaye de nous rappeler. Si le silence vaut grrr. Tais-toi en audition, rogatoire et la commission. Aka, t'inquiète pas pour ça, bro. Pose les bonnes questions, mon bro. J'ai envie de checker MIG comme Johnny. J'ai envie de checker ce track là comme Johnny. Ça a l'air fort. Mais c'était MIG Wesh par Bouscapé. Donc on va checker un track juste après ça. MIG comme Johnny. Voir si c'est un banger.